Ça, c'est le Ketchup Challenge. Et ça devient ultra viral sur TikTok. Si t'as rien compris, je t'explique ce que c'est. Bon, déjà, c'est un défi de couple pour tester son partenaire. La plupart du temps, un homme. L'idée, c'est faire couler du ketchup sur une surface et attendre de voir comment son compagnon va nettoyer tout ça. Pour certains, ce défi, ça permettrait de savoir si la personne avec qui on est une personne sensée, ou plutôt s'il faut s'en débarrasser. Du coup, parmi les tonnes de vidéos sur le sujet, on trouve forcément plusieurs techniques pour ramasser le ketchup. Un, celle qui est très critiquée, qui consiste à utiliser un papier essuie-tout, mais en étalant un maximum de ketchup. Deux, la technique plus subtile, en regroupant la sauce au centre de la table avant de la nettoyer. Et enfin, 3, la stratégie qui consiste à utiliser un papier sulfurisé. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? En tout cas, la spécialiste en réseaux sociaux Jarine Imam a analysé cette tendance. Et elle affirme que le succès de ses vidéos est tout à fait normal. Selon elle, les utilisateurs aiment voir la manière dont les autres vont réagir à un défi qu'ils viennent peut-être eux-mêmes de réaliser. C'est une comparaison sociale. L'experte rappelle aussi qu'il faut se méfier, parce que de nombreuses vidéos faites pour ce genre de défi sont complètement fake.